Coucou tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne car j'ai le temps de faire une vidéo que m'a demandé ma copine. Donc sur entre autres mes favoris du moment. Donc trois coups de cœur que j'ai eu. Donc c'est en fait tout simplement parce que j'ai mis la bonne blague. J'ai utilisé hier soir, il est là, voilà, il est tombé. C'est celui-ci. Donc c'est le gel nettoyant pot de pêche que j'ai eu dans une glossy box, il me semble. Enfin dans une des box. Voilà. Au niveau de la texture, donc c'était un gel, donc c'est super agréable. Ça nettoie très bien. Et l'effet de pot de pêche, il est vraiment là. Et c'est la première fois. Enfin, c'est la première fois. C'est une des rares fois où je suis vraiment séduite déjà dès la première utilisation. Et où ça dure sur un long terme. Parce que voilà, il y a 30 minutes. Et ça fait pratiquement un mois et demi que je l'utilise tous les soirs. Et en même temps, j'en ai pas beaucoup. Mais. Il dure. Alors j'ai regardé le prix au niveau du full size, bon, il est assez onéreux, mais si j'ai la possibilité de le prendre en grand format, je le prends volontiers. Voilà, donc ça c'est un produit, honnêtement j'ai été séduite dès le début, et c'est rare, c'est vraiment rare où un produit me plaît dès la première utilisation. Donc cela, je vous recommande si vous voulez tester. Voilà. Ensuite, un autre produit que je me suis acheté. Ma meilleure amie me l'avait conseillé. Donc, comme j'avais fait un temps, j'avais pas mal de petits boutons sur la figure. Je me suis dit, je vais essayer des produits. J'ai essayé plusieurs marques. J'ai essayé toutes les marques qu'on peut trouver dans les magasins. Rien ne fonctionnait. Et j'ai essayé son produit à elle. Bon, bah, j'ai essayé une fois, donc j'ai pas trouvé la différence. Mais je me suis dit, pour le prix, j'allais le tester. Donc c'est celui-ci. Donc pour celles qui me suivent sur ma page Facebook, j'avais posté une photo pour dire que celui-là, c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc avec celui-là, j'ai vraiment adoré. Et pour en parler vraiment, parce que je l'utilise tous les soirs, j'avais un bouton à cet endroit là en deux soirs, il n'y avait plus rien. Et là on est mardi, j'ai eu un bouton donc samedi qui est apparu donc sous l'œil. Donc pareil, je l'ai appliqué deux fois, non, je l'ai appliqué donc dimanche et lundi. Là on est mercredi, on est mardi. J'ai plus rien. Donc je le mets que le soir, et en deux voire trois jours les boutons y partent. Donc honnêtement c'est la première fois qu'un produit sur moi marche aussi bien et aussi rapidement. Donc les filles qu'on a, un peu j'ai la peau mixte à grasse et la peau imperfection, comme si ça suffisait pas d'avoir la peau grasse, il n'assèche pas la peau. Il ne la graisse pas, il la rend pas grasse. Honnêtement, je l'ai acheté, je crois, même pas 3 euros, je sais même plus. Et honnêtement, je m'en passe plus. C'est le produit c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, parce que je l'ai acheté début décembre. Et voilà. Donc celui-ci. Il va rester dans ma routine soin du soir pendant un bon moment. Sachant que j'ai encore un petit bouton là. Voilà. Donc voilà. Donc Audrey, toi qui voulais ma petite vidéo sur mes deux produits chouchous. Voilà. Sinon, j'ai testé aussi un autre produit. Il est où? Il est là. Voilà. Je l'ai ouvert hier. C'est donc je l'ai eu dans une
dans une de mes dernières glossies ou sweetie box, je ne sais plus. Ma sweetie box, je crois. Donc c'est un baume gloss soin lèvres. Donc la texture, elle est super sympa. Mettre un petit... voilà. Et au niveau de l'odeur, je vais vous dire à quoi c'est. Jojoba et beurre de cacao. Mais il est vraiment... il est doux. Et comparé à certains qui sont un petit peu... je vais pas dire écœurants, mais... voilà. On en met parce qu'il faut en mettre parce que c'est l'hiver, on a les lèvres abîmées. Celui-là, je me le tartine à longueur de journée. Quoi. Donc voilà. Et puis en plus, le packaging, il est top. Voilà. Je vais vous montrer la boîte. Hop, voilà. C'est celui-ci. Donc c'était dedans. Donc voilà. Donc là, c'est un 15 ml. Et honnêtement. Il est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, ben c'est fini. Donc voilà. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook. J'accepte tout le monde. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous, madame.